Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la soirée Gold que j'ai été le 8 juin avec Sephora. Donc la soirée, en fait, au début, en fait, on est arrivé, donc avec l'invitation. Donc au début, j'ai eu cette petite pochette-là à l'entrée. Donc avec un petit mot et des échantillons. Donc sur le petit mot, toute l'équipe vous remercie de votre fidélité. Ensuite, dedans, j'avais un échantillon de La vie est belle, l'éclat de chez Lancôme. Ensuite, j'ai eu le mascara de chez Chanel. Que je pense pas garder, que je pense que je vais offrir ou si quelqu'un le veut, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je le possède déjà beaucoup, donc ce serait volontiers que je vais vous l'envoie. Ensuite, j'ai eu mon Guerlain, l'eau de parfum floral. Et j'ai eu Coco Mademoiselle de chez Chanel. Donc voilà. Ensuite, du coup, il y avait un stand de Too Faced. La fille m'a gentiment maquillée avec des produits, avec une palette de chez Too Faced. J'essaierai de vous mettre des photos par-ci, ici, je pense, du maquillage qu'elle a réalisé. Donc, c'est un maquillage sobre. Ensuite, du coup, il y avait un stand aussi de Dior, donc où on pouvait découvrir les produits Backstage, donc de chez Dior, les nouveaux qui sont sortis. Du coup, j'ai pas pu tester par exemple le fond de teint parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop de monde. Donc, du coup, je pense que je testerai une prochaine fois. Ensuite, il y avait aussi un stand Benefit. Au stand Benefit, je lui ai demandé des informations sur des produits parce que du coup, je me fais épiler les sourcils tout le temps chez Sephora maintenant. Et la coloration de mes sourcils, c'est pareil. Donc, au lieu d'aller faire ma coloration, je voulais quand même demander des informations au cas où je n'ai pas envie d'aller le faire, de le faire moi-même. Ou juste avec le crayon et voilà. Ensuite, il y avait un petit stand aussi avec des cocktails, etc. Donc en fait, au stand Benefit, oui, au stand Benefit, en fait, à la fin, j'ai droit à une petite pochette comme ceci. Donc c'était avec un petit ruban et avec cette petite étiquette-là. Ensuite, dans cette pochette-là, j'ai eu de chez Benefit le petit bouquin avec les informations sur les crayons, etc. Ensuite, j'ai eu la crème illuminatrice Regard, donc comme ceci. Et ensuite, j'ai deux échantillons de The Pore Professional, le mat. Donc j'en ai eu deux. Voilà. Comme ceci. Au stand Too Faced, donc j'ai eu un petit gobelet en fait avec de l'eau, du lait de coco que j'ai pas trop aimé, donc du coup je l'ai donné à la personne qui était avec moi pour qu'elle le finisse, hein, bien sûr. Ensuite, du coup, j'ai fait mon petit tour pour faire mes achats. Donc en fait, vu qu'elle m'avait maquillée la personne de Too Faced avec la White Peach, donc de chez Too Faced, donc je me le suis prise parce qu'en fait, il y avait moins 25%. Donc j'ai gardé le ticket de caisse. La palette, au lieu de l'avoir à 44,99 €, je l'ai eue à 33,74 €. Donc j'ai économisé 11,25 €. Donc c'est cette palette-là. Je vais vous la montrer. Donc, dessus, vous avez les exemples de maquillage. Il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci.
La palette se présente comme ceci. Donc derrière, elle est toute simple, effet miroir. Bon, il y a les traces de doigts. Là, à l'entrée, vous avez deux petites pommes. Et vous l'ouvrez. Ça sent vraiment la pêche. Ensuite, vous avez un miroir. Et la palette se présente comme ceci. Elle est super belle. Je vais essayer de me rappeler. Donc, elle m'a maquillée avec le Glistening Peach. Donc, celui-là. Elle m'a mis le Peach Sorbet dans le creux de la banane. Après, elle m'a mis le Peach Eyes. Oui, le Peach Eyes qui est là. Et je crois que c'est tout. Et au ras des sourcils, elle m'a mis le Peach Passion. C'est un violet. Hein. Là, vous le voyez. Hop, je vais essayer de vous montrer. Vous le voyez noir, mais en fait, il est violet foncé. Donc, voilà pour le premier achat. Ensuite, je voulais des informations par rapport au kit, donc des bénéfices. Donc du coup, elle m'a conseillé ce kit-là parce qu'il y avait les trois formats voyage et j'ai pris la teinte 3. Je l'ai payé au lieu de 28,50 €, je l'ai payé 21,37 €, donc j'ai eu 7,13 € de réduction. Donc je vais vous le montrer. Donc il était bien emballé. Donc ce papier-là, je vais le garder. Ça servira pour faire des petits cadeaux. Donc ici, vous avez le petit crayon. Donc c'est le tout petit. Ensuite, vous avez le GoPro comme ceci. Donc c'est celui avec l'embout un peu biseauté. Vous avez le 24 heures, donc le mascara pour fixer. Voilà. Ensuite, j'ai acheté. Et les deux dernières choses que j'ai racheté le Super Démaquillant Waterproof aux extraits de bleuet, donc le biphasé, que j'aime bien. Celui-là, au lieu de 2,80, au lieu de 3,99 €, je l'ai payé 2,99 €, donc j'ai eu 1 euro dessus. Et ensuite, je voulais tester le démaquillant aux yeux et lèvres Estrado biphasé aux extraits de l'huile de graines de coton. Donc, je voulais tester celui-là. Il est comme ceci. Et c'est pareil, au lieu de 3,99 €, je l'ai payé 2,99 €, donc moins 1 euro. Donc je vais le tester parce que je ne le connais pas. Il a l'air de sentir bon. Donc voilà. Donc je vais vous montrer les cadeaux qu'ils m'ont offert. Tous les sortir. Ah si, j'ai acheté aussi le patch pour le nez au charbon. Donc au lieu de le payer il était à 2,99 €, donc je l'ai payé 2,25 €. J'avais 74 centimes dessus. Donc, voilà pour les achats. Donc en cadeau, j'ai eu le Dior Homme. De chez Dior, j'ai eu le sérum matifiant. Signe de l'âge retardé. Donc ça, je pense que j'en ferai cadeau. Ou si quelqu'un le veut, n'hésitez pas à me le dire. Je vous l'enverrai. J'ai aussi de chez Dior ceci. Donc en fait, c'est le truc pour les maquillages, pour nous dire ce qu'on a pris comme produit. J'ai eu toujours le Montgarlin. En l'entrée, j'avais eu le bracelet. Avec marqué
Et vous, que feriez-vous par amour? Hashtag Miss Dior for love. Donc voilà. Et ensuite, en cadeau, j'ai eu une miniature de Dior, donc le sauvage. La miniature se présente comme ceci. Et il sent super bon. Et la deuxième miniature que j'ai eue, c'est le J'adore Enjoy. Voilà. Et qui se présente comme ceci. Avec les traces de doigts et tout. Super packaging. Donc celle-ci, je vais la mettre à l'échange. Donc si quelqu'un veut me l'échanger contre autre chose, il n'y a pas de souci, je peux vous l'échanger parce que je la possède déjà. Donc si vous la voulez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou m'envoyer un mail ou me dire ce qu'elle vous intéresse. Donc voilà pour ma soirée Gold Sephora. Je vous ai détaillé un petit peu, donc j'essaierai aussi de vous mettre les photos du maquillage sans souci pour vous montrer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les pouces en haut, les pouces en bas. On s'en fout. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!